Bonjour à tous. Alors, je vous montre dans cette petite vidéo ce que je vais vous proposer en tutoriel après cette vidéo, je pense. Je vais la tourner et je vous la posterai dans la journée. Donc, c'est un petit mini-album inspiré de la chaîne de Christelle, Éternité pour toujours. Voilà, donc c'est un truc un mini-album très très simple à réaliser. Voilà, donc moi je l'ai décoré avec les papiers, avec des papiers, je ne me rappelle plus quelle marque, mais que j'avais acheté à Action. Enfin, la marque, il n'y a pas de marque à Action, mais je ne me rappelle plus le modèle du. J'essaie de vous le retrouver. Voilà, donc j'ai fait ça. Ça, c'est un embellissement qui était dans mes affaires. Ça, c'est un petit die-cut que j'ai pris dans un bloc. Je vous ai montré dans le haul. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est des petites découpes que j'ai reçues lors d'un swap avec Isabelle, que je remercie. Tu vois, Isabelle, j'ai utilisé tes petites découpes qui sont trop belles. Donc là, j'ai pas mis. Donc là, on peut mettre des belles photos, des grandes photos, voyez, il y a la place. Là aussi, une petite découpe d'Isabelle. Ici, ça se présente comme ça, avec une ouverture dans ce sens-là, toujours donc avec ce papier que j'adore, qui est super, avec le fond en craft, j'adore le rendu. Ensuite, de ce côté, on a aussi une ouverture de ce côté. Et on peut mettre, vous voyez, des grandes photos quand même. Il y a de la place. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Il va se fermer ainsi. Vous voyez. Tac. Voilà, au dos. Je vais vous montrer le dos. Donc on va faire un tag pour le fermer, voyez. Et au dos, il est comme ceci. Voilà, j'ai juste mis un petit die-cut du carnet de chez Action. La base, c'est du papier de chez Action aussi, les blocs qui faisaient, enfin ils font toujours. Vous avez une partie avec du papier blanc, une autre partie en crème. Donc là, j'ai utilisé la partie en crème. Et ça, c'est un die-cut aussi d'un bloc de Noël. Des cartes pour faire des cartes. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel va vous plaire. Il est très très simple à réaliser, vous allez voir. Donc je vous propose ça dans une prochaine vidéo pour réaliser ce petit mini. Voilà, je vous fais de très gros bisous. À très très vite. Bisous bisous.